Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai reçu de chez AliExpress. Donc j'ai reçu pas mal de petites choses et j'en attends encore pas mal. Alors, on va commencer par les tampons. Alors, je vais prendre. Hop. Donc j'ai reçu celui-là. Donc ce sont des fleurs et j'ai les dyes pour les découper qui vont avec. Donc je vous montrerai ça après. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remets tous les liens en barre d'infos et je vous affiche les prix sur l'écran. Ensuite, j'ai reçu celui-là. Donc on a deux cadres étiquettes, des tâches et un fond de texte. Voilà. Donc c'est sympa pour faire des fonds. Ensuite, pour Halloween, voilà, on a celui-là. Donc il y a tout, hein, araignée, toile d'araignée, tête de mort, le balai de la sorcière, le hibou, papillon, des fleurs, une petite araignée, des petits bocaux, voilà, des petites choses comme ça. Et j'ai aussi celui-là. Donc là, on a fantôme, sorcière, squelette, chauve-souris, citrouille, voilà. Ensuite, j'ai reçu celui-là sur le thème licorne. Donc, des licornes, des nuages, arc-en-ciel, des petits gâteaux. Ensuite, j'ai reçu celui-là feu d'artifice. Ou tâche éventuellement. Ensuite, j'ai reçu celui-là, donc c'est les mois de l'année en entier et abrégé. Sauf que là, sur le mois de novembre, donc c'est en anglais, mais ils ont mis un H au lieu d'un B. Voilà, là on voit bien au-dessus le B qui est bien fermé, et là on voit que c'est un H. Voilà. Donc je leur ai envoyé un message, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai celui-là, c'est que des fonds de texte. Donc, il y en a plusieurs différents. Ensuite, celui-là sur le thème voyage. Donc là, on a une tongue, là, on a une frise, un tag, on est ici, une petite boussole, un petit timbre, là, le petit cadre, une carte postale, un petit cadre. Alors, c'est écrit destination, explorer. Et là, A, espace venture. Donc la traduction, ou alors il manque le D si vous voulez le mettre en anglais. Mais... Et donc là, une carte postale. Et puis là, le globe. Ensuite, j'ai reçu celui-là. Donc ce sont que des cadres. Et puis, voilà, pour faire les angles de page, par exemple. Donc il est très sympa aussi. Et j'ai reçu celui-là, donc spécial anniversaire, party, happy birthday, celebrate, surprise, avec des cadeaux, voilà. Et je m'en suis déjà servi et je crois que c'est celui-là, j'ai eu énormément de mal à décoller de la plaque. Voilà. Donc c'est tout pour les tampons. Ensuite, j'ai commandé des embouts mousse, enfin, des doigts en mousse, là. Voilà, comme ça. Donc c'est sûr, j'en ai quand même des 40. Donc au final, ça fait quand même, je sais plus, du 12, entre 12 et 15 euros les 40. Mais pièce, ça revient franchement pas cher comparé aux 3 qui vendent aux alentours de 4 euros à Cultura ou autre. Donc j'en ai plein. Voilà. J'en ai déjà rangé dans une boîte et j'en ai donné à ma mère. Pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est pour les débutantes, en fait vous mettez de l'encre sur. Vous prenez votre tampon encreur, vous mettez de l'encre dessus, et après vous venez appliquer en faisant des petits ronds. Voilà. Donc ça permet de faire des petites touches d'encre, des petits dégradés. Ensuite, j'ai voulu tester des autres rubans double face. Parce que là j'avais fait une Lodi d'enveloppe il y a quelques jours avec le double face d'action et puis quand j'ai voulu mettre les petits cadeaux bah, c'est vrai que ça s'est décollé
Bon, en même temps, la manière dont j'ai fait ma Lodi d'enveloppe, il n'y avait pas de... voilà, j'avais collé directement la pochette comme ça, sans faire d'épaisseur. Donc du coup, quand on met des choses dedans, ça se décolle plus facilement. Donc celui-là, c'était marqué Ultra Fur. Donc j'ai voulu tester celui-là vite fait, rapidement. C'est vrai qu'il a l'air de bien coller. De toute façon, même là, ça me colle au doigt. Mais il est épais, il est un peu épais, donc ça a un petit côté dommage. Donc j'ai pris trois dimensions différentes. Je crois que j'ai pris 5 mm, 10 et 15 ou 20. Je vous raffiche tout ça de toute façon avec les prix. Je crois qu'il y a 3 mètres de mémoire. Et j'ai voulu en tester un autre pour comparer. Alors celui-là, il y a beaucoup plus de mètres, mais je ne me souviens plus combien. Je crois qu'il disait 50 mètres. J'ai pris deux fins, donc un qui doit faire 2 mm et un qui doit faire 4 ou 5. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai même pas ouvert. Bon, déjà là, comme ça, on sent qu'il colle moins que le rouge. Mais voilà, à voir, à utiliser, ce que ça donne. Ensuite, j'avais recommandé des petits sachets. Donc là, c'est marrant quand on met des bonbons, parce qu'on a l'impression que le monstre mange les bonbons. De ce côté-là, vous verrez mieux. Si je ne me trompe pas, je les ai commandés en bleu et je les ai reçus en vert, parce qu'il y avait plusieurs choix de couleurs. Donc, à vérifier. Et puis, bah, pareil, je vous affiche le prix et les dimensions. Donc, c'est des petits sachets autocollants. Voilà. Et donc là, vous avez la bande autocollante à détacher et vous rabattez pour fermer. Et donc, c'était un lot de 100. Ensuite, j'ai commandé des choses comme ça. Donc c'est bien pour mettre sur des angles, voilà, je vous montre de plus près. Donc les couleurs, il y a des petites nuances, il y en a plus ou moins des clairs foncés. Donc c'était un lot de 100 je crois. Voilà. Hop. Ensuite j'ai commandé des petites demi-perles, mais alors celles-là, elles ont un petit détail, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, il y a un petit relief. Donc j'ai pris assortiment de couleurs et j'ai commandé en deux tailles différentes. Voilà. Et ceux-là sont plus petits. Ensuite, j'ai pris ça. Des flocons de neige, donc de mémoire il y en a 300, donc on voit, ils ont un effet holographique, alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, là on voit un peu, donc ils sont super jolis. Hop. Ensuite j'ai pris des washi tape, donc j'en ai pris des tout fins, alors je vais vous les ouvrir. Pendant que j'y pense, pour celles qui n'auraient pas vu l'info passer sur une de mes dernières vidéos, j'ai une petite astuce entre guillemets pour le magasin Action. Comme là je sais qu'ils ont sorti une sorte de Big Shot, une machine de découpe. Elle a été très vite dévalisée, en plus à chaque fois chez Action ils reçoivent en petite quantité, ils savent comme ça que les gens vont revenir et craquer sur d'autres choses, enfin, bref. Donc moi j'ai fait deux ou trois actions, à chaque fois il n'y était plus. Et en discutant avec un vendeur, il m'a dit qu'on pouvait commander. Donc en fait on peut commander ce qu'il y a en rayon. Donc eux ils flashent l'étiquette qui est en rayon et ils commandent pour vous le mettre de côté. Pour dès qu'ils en reçoivent, ils vous rappellent. Le seul truc, c'est qu'il faut un minimum de 50 euros d'achat. Donc comme la machine était à 30 euros et que ma mère en voulait une aussi, donc pour moi c'était bon, j'étais à 60 euros. Et j'ai versé un acompte de 15 euros. Et donc c'est une astuce à savoir si vous n'arrivez pas à la trouver. Alors c'est valable pour ça ou pour d'autres, des petits meubles de déco, enfin n'importe quel article. Et quand sur le code barre c'est rayé, ça veut dire qu'ils ne vont plus en recevoir, donc ça ils ne peuvent pas en commander. Voilà, donc ça c'est une astuce que je trouve très sympa. Donc oui, je vous parlais des petits washi tape que j'avais commandés.
Donc en fait, ils sont tout fins avec du foil. Alors, je vais vous les montrer. Donc là, on en a un rose gold avec des petits pois sur fond blanc. Ensuite, on a celui-là, des petits pois gris argentés. Ensuite, celui-ci. Donc là, c'est des formes géométriques. Pareil avec du foil. Celui-ci, que j'adore. Voilà, rose gold. Et le petit dernier. Des rayures, pareil avec du foil argenté. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits washi. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Donc, avec les jours de la semaine, bon, en anglais. Donc ça peut être pratique à découper pour le planeur, le bullet journal ou autre. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là qui est un peu original. En fait, ce sont des pétales de fleurs à l'unité. En fait, c'est des pétales de fleurs comme ça, et donc vous en prenez plusieurs. Donc, c'est dans les teintes de rose, donc il y a des dégradés, et après vous faites vous-même votre fleur. Vous voyez, ça peut faire très sympa. Et donc, c'est présenté comme ça sous forme de rouleau. Vous n'avez plus qu'à décoller les pétales. Hop. Ensuite, là, on a quoi? Donc ça c'est sur le thème Noël, je crois que c'est des die cuts. Voilà, je vais zoomer. Donc on a des die cuts, donc je pense pareil autocollant. Donc, toujours autocollant. Donc, voilà, on a plusieurs de chaque. Donc, voilà, je sais pas si vous les voyez tous. Donc voilà, ils sont très sympas. Ensuite, là, on a un kit de dies. Donc Judy Karen, donc je l'ai déjà eu celui-là, je l'ai en double. Soit je l'aimais bien, j'ai voulu le commander en deux fois, ou alors je me suis trompée. Voilà, je vous montre au dos. Donc sur le thème de Noël, avec des bonhommes de neige, des sapins, une petite maison, Merry Christmas, voilà, un petit Bambi, un petit fan plutôt, un petit sapin. Voilà, donc il est très sympa. Ensuite, j'ai reçu là 5 lots de die cut. Alors je vais en ouvrir un. Alors, là on a des bonbons. Voilà, je peux vous les montrer au dos. Là on a des bonbons. Ici on a des fleurs. Là des fruits glace cocktail. Ici thème anniversaire ou fête. Et ici, gâteau glace. Voilà. Donc, je vais ouvrir celui-là par exemple. C'est sympa, c'est présenté comme ça, comme une boule à neige. Et vous avez le sachet. Donc, on croirait du papier calque. Voilà, ils sont légèrement transparents. Ils ont des belles couleurs. Je vous en montre un par exemple.
Voilà. Et alors, je pense qu'ils sont autocollants, parce que jusqu'ici, tout ce que je reçois, c'est autocollant à chaque fois. Donc, ouais, ils sont bien autocollants. Voilà. Donc, je les rangerai plus tard. Et pour terminer, il me reste à vous montrer les dies que j'ai reçus. Alors, là, c'est des napperons. Donc, j'ai fait les découpes pour vous montrer ce que ça donnait. Celui-là, je l'ai mal placé dans ma machine et du coup, c'est mal découpé. Alors, il faut quand même plusieurs passages et puis il a fallu que je remette une feuille en plus pour faire de l'épaisseur pour vraiment que ça découpe bien les petits points parce que c'est vraiment tout fin. Et après, il faut s'amuser avec un pic à tout enlever. Donc, voilà. 4 dies napperons. Donc, je les trouve très sympa. Ensuite, j'ai un dies ananas. Donc pareil, j'ai passé deux fois pour enlever tous les petits pics. Et là, on voit légèrement là, sur les feuilles. Voilà, c'est légèrement embossé. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ça. Des étiquettes. Donc, il y a 4 formats. Donc, je vous les ai fait. Donc, on voit bien la marque Effet Couture. Voilà. Donc, ça se découpe nickel. Donc, pour finir, ça, c'est les dies qui vont avec les tampons fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Avec donc ces tampons-là. Donc, je les ai ancrés en rose. Voilà. Et j'ai fait les petites feuilles en vert. Donc je ne les ai pas tous découpés parce qu'il y en a que j'avais mal tamponné. Mais donc c'est super principe, c'est super facile. Vous tamponnez, vous placez. Alors parfois c'est un peu un jeu de puzzle, il faut retrouver l'emplacement. Vous le passez, vous mettez dans la machine de découpe et voilà, c'est impeccable. Hop. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce genre de choses... Ce sont des dies en métal, donc on appelle ça aussi matrice de découpe. Et on met ça dans une machine. Donc moi par exemple j'ai cette machine là, la mini décoratrice de Toga. Donc avec un système de planche, on passe, on met sur la planche, on passe, on tourne la manivelle. Et ça vous découpe des formes dans du papier. Voilà. Donc c'est tout pour mon haul AliExpress. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye !